c'est des chansons qui sont écrites, certaines sont écrites depuis 2005 et interprétées depuis 2005. Donc, j'ai commencé à les interpréter en Tunisie, puis après en France. Mon moteur, c'était vraiment le fait de dire non, le fait de se rebeller contre tout cet ordre établi. Et la seule façon d'exprimer tout cela, c'était la musique, c'était le chant. Dans ma tête, j'avais envie de travailler sur des sons, sur des bruits, des trucs un peu noise, un peu crade. Et en même temps, je voulais mélanger ça avec les sons de musique purement traditionnelle. Donc, on a travaillé avec beaucoup de samples. On a utilisé tout ça et c'était un peu un défi quoi, de mélanger ça à la musique électronique. Et tout ça, c'est venu vraiment de façon naturelle et je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, ce que j'étais vraiment, c'était ça. Les tout premiers concerts, on faisait des mélanges un peu, on faisait trois reprises et puis on faisait une chanson. Et c'est vrai que les gens au début, ça les a un peu chamboulés. Et puis petit à petit, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se retrouver dans les propos que je tenais. Cette chanson, c'est que je pense que peu importe le nombre de fois que je la chanterai, il y aura toujours quelque chose, une force qui s'en dégagera, qui sera beaucoup plus puissante que moi et qui rebondira de la scène vers le public et du public dans la rue. Et enfin, je pense, ça s'appelle Kelmti Hurra, ma parole est libre. الظلمه نجمة انا في حل بالظالم شوكا انا ريح لسعتها النعم انا صوت المانسيو
était en recherche d'idéal, en recherche de modèles. Donc moi, les modèles que j'ai trouvés, c'était dans les chansons contestataires arabes, avec les rares chanteurs arabes qui chantaient de la musique révolutionnaire, comme Cheikh Imam ou Marcel Khalifa. Et c'est vrai que pour moi, c'était une découverte fantastique. Ou la découverte de la musique de John Baez ou de Bob Dylan, ça a changé ma vie, quoi. Pendant des années, je ne sortais pas de ma chambre. Et ça m'a emmené très loin. Ça m'a donné des ailes, ça m'a donné envie d'écrire, ça m'a donné envie de me battre, ça m'a donné de l'espoir. Mahmoud Derwish, sur cette terre, il y a ceux qui méritent vie, et parmi ceux qui méritent vie, c'est la peur des tyrans, des chansons. Tue-moi, j'écrirai des chansons, blesse-moi, je chanterai des textes, le temps t'emportera, mais mes mélodies sont éternelles. Ces moments forts qui étaient la révolution d'abord, puis pendant qu'il y avait le couvre-feu, puis le comité de défense des quartiers, le nettoyage des rues, puis après il y avait les élections. Donc on a eu vraiment quelques temps très très forts que je trouve dans le monde aujourd'hui assez exceptionnels. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a ému le monde entier. Avant, on était chacun pour soi, on était très différents, on a toujours été de toute façon. Il n'y a pas un seul modèle de Tunisien. Mais par contre, on ne pouvait pas voir ces différences-là parce que tout le monde devait être pareil, tout le monde devait baisser la tête, aller bosser, rentrer à la maison. Aujourd'hui, on a la possibilité de découvrir toutes ces différences-là. Donc, il ne faut pas non plus rejeter et dire « Ah non, il faut aller vers là ou vers là ». Donc, il n'y a aucun sens qui est meilleur que l'autre. Il faut juste qu'il y ait de l'espace pour tout le monde, qu'il y ait de l'espace pour un vrai dialogue, pour une vraie démocratie et pour effectuer un vrai travail pour que la Tunisie se range du côté du développement, du progrès. On n'a pas le temps pour se rejeter les uns et les autres. Au contraire, il faut, de nos différences, il faut construire un chemin où on peut aller vers le mieux, vers le meilleur, parce qu'on n'a pas le choix. يجيك الهوى وتسيد Oh,